une réapparition du terme de métropole. Vous avez suivi ça un peu dans les médias, dans l'actualité. Il y a une réapparition du terme de métropole sous forme de création institutionnelle, de pôle métropolitain. Des débats ont été engagés, plutôt parlementaires, sur la question du type d'élection et du forme de, la forme de votation que ça peut conduire. Grosso modo, quel serait le niveau de citoyenneté dans ce nouvel étage administratif, technique, institutionnel que serait la métropole. Et puis tous les débats lancinants, historiques, particulièrement en France, sur l'idée, qui appartient quand même beaucoup à l'idéologie dominante, qui serait qu'il y aurait des étages administratifs en trop et qu'il faudrait en supprimer. Du coup, la métropole serait un moyen de rationaliser l'action publique en faisant mieux correspondre institutionnellement les politiques urbaines à la réalité des faits urbains, des villes qui s'étendent, qui grossissent, qui doivent se densifier, etc. Néanmoins, le terme de métropole, il a une longue histoire, pour faire un inventaire d'après-verre, néanmoins, il a une assez longue histoire et surtout dans cette histoire, il était jusqu'à il y a peu de temps connoté très négativement. C'était plutôt la promiscuité, l'entassement, la somme des nuisances et des pollutions qu'on réunissait à un endroit donné. Le terme de métropole et métropolisation était plutôt négatif dans son rapport à la ville. Et puis par un retournement subreptice assez étonnant, il est réapparu assez récemment, une trentaine d'années dans les débats, et avec quelques atours qu'il a le positif beaucoup plus. Et c'est de... Alors, tout le terme de métropole est à peu près dans toutes les bouches, hein. Qu'il existe Saint-Étienne métropole, Rennes métropole, Guy métropole, donc métropole, tout est métropole, hein. D'accord. Y a une généralisation du terme, il y a une force, une puissance singulière du terme pour qualifier ce que seraient devenues nos villes et comment il faudrait les gouverner. Jusqu'à le fameux acte 3 de la décentralisation, dont on a entendu parler, qui crée des métropoles, des tergiversations, qui est éligible, qui ne l'est pas, qui va voter, qui ne va pas voter, est-ce qu'on démantèle les départements ou pas pour fusionner et créer des métropoles. Donc il y a toute une actualité et surtout un emballement. Il y a des pouvoirs métropolitains, une gouvernance métropolitaine, des acteurs métropolitains, des forums métropolitains, des ateliers métropolitains. Tout est métropolitain, on a l'impression que c'est un peu le nouvel Eldorado politique. Voilà. Il faudrait être à la tête d'un pouvoir métropolitain pour pouvoir agir sur la ville. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on... c'est quelque chose qui est en chemin, qui est en mouvement. Il y a un retournement de la signification du terme, historiquement parlant. Néanmoins, il y a beaucoup d'appétit politique, il y a beaucoup de construction derrière cette chose-là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de voir, en tout cas, je vais vous livrer des éléments d'interprétation, vous me direz ce que vous en pouvez commencer, hein, de voir quelles sont les perspectives éventuellement nouvelles du terme par rapport à d'autres, d'agglomérations, de villes, d'urbains, que l'on connaît beaucoup tous. Surtout lorsque l'usage du terme a connu, je vous dis, un retournement, mais que néanmoins l'usage remonte à plus d'un siècle maintenant. Qu'apporte le terme concrètement au débat et quelle pertinence y revêt-il? Là aussi, on peut avoir un point de comparaison. Les premières institutionnalisations du terme de métropole remontent aux années 60 avec les métropoles d'équilibre. Voilà. Parle-t-on de même métropole? Est-ce que c'est toujours l'équilibre qui est recherché en créant ces choses-là? Bref, quel est l'espace de la nouveauté pour ce terme-là? Et la thèse défendue... je m'efforcerai avec force d'argument si vous le démontrez, mais n'hésitez pas à me contredire, il n'y a pas aucun souci. C'est qu'en fait on est déjà en métropole depuis maintenant 30 ans et que le terme même de métropole, tout le débat sur l'acte 3 de la décentralisation, c'est en fait pour entériner un fonctionnement métropolitain que nous connaissons depuis à peu près 20 ou 30 ans. Et ce fonctionnement métropolitain, c'est en fait un troisième acte, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots sur le troisième acte de la décentralisation, mais c'est le troisième acte de l'encastrement du capitalisme dans l'urbain. Le troisième acte du capitalisme urbain serait le fait métropolitain. Sauf que les gouvernements publics urbains ne peuvent pas ne pas adapter l'action, le pouvoir urbain à cette réalité économique du capitalisme urbain. Et donc aujourd'hui, il nous est proposé, dans une compétition généralisée entre toutes les villes, que des pouvoirs incarnent cette évolution économique des villes, que serait donc, qui sera incarnée par un troisième acte de l'encastrement du capitalisme dans l'urbain. Troisième acte qui, en fait, est celui qui est né, là aussi je fais rapide, mais c'est en fait un régime post-fordiste, j'y reviendrai rapidement, et puis on va pas faire savant, c'est vraiment pas le but du jeu. Et puis, mais néanmoins, de la contre-réforme néolibérale de la fin des années 70. Voilà.
pour faire vite Thatcher, Reagan, il n'y a pas que cela, en Angleterre, aux États-Unis, puis après en Allemagne, tranquillement en Espagne, puis après en Italie, puis après en France, on voit des conversions s'opérer. Qui sont en fait des conversions qui ouvrent une troisième étape du capitalisme dans ses rapports au territoire et qui dorénavant a besoin par-dessus tout de la ville pour pouvoir produire, accumuler, dégager du surplus et faire du profit. Donc la ville est en fait plus simplement le lieu où se croisaient par un phénomène de carrefour, parce qu'historiquement la ville est toujours un lieu de carrefour, des éléments de production, de consommation, de circulation, etc. La ville n'est plus une échelle parmi d'autres de la production, la ville est le milieu du capitalisme, c'est le dernier lieu ou milieu d'accumulation productive, qui se diffuse rapidement, puisque, alors avec certaines architectures, avec une homogénéisation, des standardisations, avec une évolution des paysages urbains et une uniformisation remarquée à l'échelle planétaire, les dernières en date, les nouveaux Eldorado, mais c'est Abu Dhabi, Dubaï, Shanghai, Singapour, etc. C'est-à-dire que là, on a des expérimentateurs, des démonstrateurs de ce que serait la ville comme lieu d'accumulation capitalistique et nouveaux paysages qui s'offriraient à nous. Quelque chose d'écologisé, des tours à non plus finir, mais néanmoins transparentes, parce que pour faire léger, etc., etc. Il y aurait une uniformisation, une standardisation esthétique architecturale des villes. Et là, bien évidemment, Montpellier en fait partie, même si est dans un cycle urbain qui est encore émergent en la matière. A contrario, et je terminerai là-dessus pour ce qui est du point de départ, l'effet de cette métropole et métropolisation comme mécanisme marchant, c'est même pas renouvelé, c'est contredire frontalement ce dont historiquement la ville est aussi le nom. Et là, je pense, et j'y reviendrai aussi, à la ville de l'ère industrielle, donc non plus post-fordiste, mais fordiste. La ville était un lieu de production, cette production s'est dorénavant échappée, elle a été délocalisée, dématérialisée. Mais surtout, la ville était un habité, c'est-à-dire un lieu d'émancipation sociale, un lieu de culture ordinaire et populaire. Et le phénomène de métropolisation, en fait, s'affranchit allègrement de cette histoire-là, de cette trajectoire, pour trier, ségréger, découper l'espace, et s'adresser à certains types de populations au détriment d'autres qui ont historiquement composé le fait urbain et structuré les villes, les fait vivre et dynamiser, etc. Donc en fait, j'aurais deux temps. Le premier temps, c'est d'écrire un peu ce phénomène de métropole et de métropolisation, la ville entrepreneuriale, pour reprendre les termes de David Harvey. Et un deuxième temps qui est... néanmoins, il subsiste quelques résistances, des éléments qui viennent éventuellement contredire ce schéma global, mais, et ça c'est un fait qui est peut-être nouveau à l'échelle du temps historique des villes, puisque, bon, après, les villes remontent à 3 millénaires, hein, on va faire 3 millénaires ce soir, on n'a pas le temps, le sens que ça a aujourd'hui, les métropoles, c'est plutôt sur le siècle écoulé que l'histoire nous permet de mieux comprendre ce qui est en train de se dérouler. Les résistances, les éléments de réémergence, les luttes qui sont amenées à contredire ce dessin métropolitain, fait nouveau à l'échelle du siècle écoulé, sont en fait en dehors de la ville, physiquement. Donc il y a à réfléchir sur des formes d'engagement, de lutte, d'opposition éventuelle à ce fait métropolitain, mais du coup en prenant un peu de hauteur ou en sortant des murs de la ville pour voir ce qui se fait dans son extérieur. J'y reviendrai aussi à la fin. Et le dernier élément que je vous proposerai à arriver à ce stade-là, c'est que, mais ça, bon, je pense que on pourra tous le comprendre une fois que j'aurai franchi les deux premiers pas, c'est que la métropole a besoin d'énormément de communication pour arriver à entériner le capitalisme urbain,
Et les effets dont je vais vous parler, de ségrégation, de précarisation, de fragmentation dans l'espace, etc., etc., d'enrichissement, mais partiel et partiel. Et du coup, un des éléments aujourd'hui clairement émergents de la résistance hors la ville ou dans la ville, là n'est pas nécessairement le plus important, c'est de particulièrement questionner la communication. Les villes sont devenues des marques, les villes sont devenues des objets de consommation, des outils de communication. Il y a du coup à remettre la ville en débat public, en travaillant et en essayant de comprendre quels sont les imaginaires de la ville et sur quelle base d'imaginaire cette communication permanente sur la ville, tous les opuscules de la municipalité que vous trouvez ici comme ailleurs, hein, ou de l'agglo, ou de la région, etc., en fait, distille une certaine idée de la ville qui vient essayer de sanctionner cette marchandisation tout en donnant à voir, en essayant de puiser dans un récit identitaire que serait celle de la ville de Montpellier notamment, mais en mettant de côté tout ce qui pourrait fâcher. Donc la communication urbaine, l'emphase identitaire et communicationnelle est indéniablement un des moyens de remettre la ville en débat, en interrogeant les imaginaires et les systèmes de croyance que développe ce type de document, ce type d'iconographie, ce type de message. Les villes sont déjà largement métropolisées. Alors qu'est-ce que la métropole? Il y a plusieurs définitions cryptiques. Pour faire vite, la métropole, c'est une grosse ville. Voilà. Ou alors, ce serait une ville qui, par des nœuds, des flux et des réseaux, permet de concentrer, qui serait le lieu de polarisation spatiale, un lieu de densité à la fois de consommation, de production et d'habitation. La métropole serait celle du gros et du grand, qui permet du coup d'appareiller tout un discours sur la compétition. Il faudrait grossir et attirer certains types d'activités de population pour pouvoir peser dans le concert des villes qui comptent, de la culture, de l'environnement, du sport, etc., etc., etc. Ce qui signe particulièrement la métropole, c'est en fait les pouvoirs qui s'exercent dans la métropole. C'est-à-dire la manière dont le politique se réapproprie aujourd'hui la ville par ce terme qui n'est pas débattu, parce que la ville, en France particulièrement, est un objet technique. On n'en discute pas véritablement. Si ce n'est à l'échelle d'un conseil de quartier, pour éventuellement voir comment on requalifie une place, la couleur des murs ou la taille de l'abribus. Mais il n'y a pas véritablement de participation à un débat collectif autour des visions de la ville et du devenir de nos villes. Ça grossit sans cesse, les flux s'accélèrent, il y a des projets qui sortent de terre, mais il n'y a pas véritablement de débat collectif autour de ces choses. Donc, la métropole est, comme je le disais tout à l'heure, d'abord une tentative politique de correspondre à des phénomènes spatiaux qui, eux, ont 20 à 30 ans d'âge. Il faut toujours avoir ces deux types de lectures. La métropole, toujours, voir la correspondance entre les phénomènes sociaux et spatiaux et la construction des pouvoirs et des gouvernements urbains autour du terme de métropole. Et ce n'est pas simplement grossir, c'est plus largement entreprendre des politiques. Quel type de politique aujourd'hui nous trouvons de manière commune dans toutes les métropoles? Et en quoi ça fait quelque chose d'assez cohérent à l'échelle des 30 ou 40 dernières années? Et surtout, qui est commune à beaucoup de pays et à beaucoup de métropoles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 70 Globalement, historiquement, à l'ère industrielle, les municipalités urbaines intervenaient dans l'espace pour accompagner le développement industriel, en fournissant ce que l'on dénomme un salaire social, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas rentable pour l'industrie. Les services urbains, la construction des infrastructures, etc., etc., le transport. Sauf qu'on était en période de compromis fordiste, c'est-à-dire que pour que la municipalité assure cette chose-là, que les pouvoirs urbains aillent dans ce sens-là, c'était le produit d'une négociation salariale avec le monde ou les mondes ouvriers, qui étaient à l'origine la matière vive, la ressource première des villes au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, jusqu'aux années 50 et 60, d'où la conversion d'un certain nombre de municipalités et leur orientation clairement marquée à gauche.
C'était le fruit d'une négociation, d'un compromis. D'un compromis qui, tout simplement, était celui du fordisme, qu'on connaît assez bien. En l'occurrence, le compromis en question était dans les usines, dans les ateliers. On accepte le fordisme et le taylorisme, mais en contrepartie, et la salarisation, mais en contrepartie, création des syndicats, apparition du droit du travail, etc., etc., etc. Et c'est dans le cadre de ce compromis fordiste que les pouvoirs urbains se sont créés, en fait. Voilà. S'il s'agit d'interroger l'histoire des pouvoirs urbains, la manière dont les politiques se sont construites, il faut avoir ça en arrière-plan pour comprendre la mutation qui s'est opérée dans les années 70, c'est-à-dire le passage du fordisme au post-fordisme. Ce passage-là, donc, compromis, tacite, une lutte des classes éventuellement pour ceux qui auraient une quelconque affiliation ou une croyance dans le marxisme. En tout cas, les rapports de production déterminaient beaucoup les types de liens sociaux et la ville se créait donc par quartier, qui étaient plus ou moins étanches les uns des autres, mais néanmoins, il y avait une diversité sociale du fait même de la présence industrielle en ville et des types de pouvoirs urbains qui pouvaient accompagner ce type de développement. On était à l'ère industrielle, le secteur secondaire représentait plus de 50% du PIB pendant 30 à 40 ans. La conversion qui s'opérait dans les années 70, le basculement qui s'opérait, c'est tout simplement l'entrée dans, je parlais de contre-réforme néolibérale, dans la mondialisation. Donc délocalisation, la ville n'est plus un lieu, ou en tout cas on souhaite qu'elle ne soit plus un lieu de production industrielle. Et surtout, on a des pouvoirs urbains qui vont voir leur type d'intervention dans l'espace et leur type d'action considérablement évoluer. On va donc passer de l'accompagnement plus ou moins distancié par l'offre de services publics ou d'équipements publics qui faisait fonctionner la ville, à en fait, le pouvoir urbain va créer sa propre production. Et du coup, cette mutation, elle va intervenir directement par des politiques urbaines. Alors bien évidemment, c'est dans le cadre d'une alliance entre les pouvoirs urbains, les types de politiques menées et l'évolution de l'économie par sa globalisation, délocalisation, démantèlement, etc., etc. On a des villes qui finalement se dématérialisent en termes industriels pour s'ouvrir à d'autres domaines d'activité et qui vont être accompagnées, entretenues, accélérées par l'offre politique des pouvoirs urbains à partir des années 70 et 80, date de la contre-réforme néolibérale. Alors, quelles sont ces politiques et en quoi elles ont considérablement orienté l'ensemble des paysages urbains, des métropoles, que l'on considère comme termes nouveaux, alors que nous sommes déjà, du fait même de la mutation spatiale de ces villes et de la mutation sociale, nous sommes déjà assez largement en métropole, mais que néanmoins il convient dorénavant, en France particulièrement, d'institutionnaliser cette réalité sociale et spatiale par des pouvoirs ad hoc. Changer d'échelle, et bien évidemment, la brique de base communale et le type de citoyenneté directe qui nous est historique, éventuellement, la voir se fragiliser. Quelles sont les évolutions, en l'occurrence, tendancielles ? On retrouve en fait des choses tout à fait communes dans la réalité des villes. J'y reviendrai, mais premièrement, le fait marquant, qui est assez récent d'ailleurs, et dont Montpellier est un laboratoire d'excellence, hein, c'est assez troublant, c'est le retour du grand équipement structurant. La métropole se remet à se construire et à construire énormément. Alors, j'ai des courants, il y a des oppositions à ce type de choses, mais... voilà un fait marquant. Autre fait marquant, je les mets à la volée, peut-être que ça résonnera dans l'expérience que vous avez de Montpellier ou d'autres villes, mais on trouve des invariants. Les grands équipements, les grands projets urbains, la question des tours à Paris, hein. Ça sert à rien, mais on le retrouve dans d'autres types de métropoles. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est commun ? On a la bucolisation, le décorum environnemental, ça aussi je pense que vous l'avez tous constaté, au nom de natures urbaines, on nous offre une écologie urbaine, mais qui est un peu aseptisée, d'accord, qui est un peu artificialisée. C'est des grands parcs urbains qui ne sont pas accessibles.
sensible à toutes les périodes de la journée, encore moins de la nuit. C'est un type de coloration architecturale qui nous renvoie, c'est les types de matériaux qui peuvent être utilisés, etc. etc. Donc le paysage urbain, l'espace public par exemple, l'espace public lui-même se consumérise. On voit énormément d'espaces publics, Montpellier là aussi est peut-être un laboratoire d'excellence, beaucoup d'espaces publics empiétés par la fonction commerciale, des terrasses de café, à toute heure de la journée, etc. etc. On a plusieurs traits communs comme cela, les quartiers d'affaires qui se localisent, les grands centres commerciaux qui ne cessent eux-mêmes de réunir toujours plus de commerces au détriment d'autres formes de commerce historiquement de proximité. On a des évolutions comme ça, tendancielles, des grandes villes plus que des petites villes et qui seraient communes à nombre d'agglomérats urbains que l'on qualifierait aujourd'hui de métropoles. Des politiques culturelles, par exemple, que l'on retrouve dans beaucoup de métropoles, l'activité ou l'attractivité biotechnologique, ça serait les nouvelles Eldorado de l'activité économique. Toutes les 10 grandes agglomérations françaises, par des clusters, par des IDEX, par des LABEX, par des pôles de compétitivité, cherchent à attirer les mêmes activités, et surtout pas industrielles, qui peut salir la ville ou qui, dans son histoire, aurait son avenir derrière. On a comme ça des évolutions remarquées, communes, et qui renvoient en tout point, en fait, aux politiques néolibérales des pouvoirs urbains. Que ce soit par les politiques fiscales, plus avantageuses pour certaines activités nobles, je parlais des biotechnologies, mais jusqu'au magasin d'espresso. Il y a quelques petits avantages à venir s'installer là où il vient d'inaugurer sa boutique. Les politiques culturelles, destinées aux classes créatives. Alors ça conduit à l'uniformisation, à la standardisation, mais j'y reviendrai rapidement après. Les politiques culturelles, qui sont destinées aux classes créatives, avec la généralisation de la performance artistique, du geste architectural, plutôt d'architectes internationaux. Là aussi, ça signe beaucoup la métropole. Des gens qui n'habitent pas là, mais qui néanmoins pensent des formes urbaines à la place de gens qui y vivent. Le marketing urbain, j'en parlais, ça aussi c'est tout à fait commun aux politiques municipales. Je ne ferai pas l'injure de vous rappeler le rapport de la Cour des comptes sur ce que ça a coûté à la France sur l'année écoulée en termes de budget de marketing en général, territorial et urbain en particulier. Alors là, la fonction, elle est essentielle. Le marketing urbain, en fait, s'il y a autant d'argent qui est mis là-dedans, c'est pour créer une fiction collective, c'est-à-dire construire un récit, une identité. Parce que la ville nous échappe, parce que la métropole accélère, parce que nous nous sentons, et ça les enquêtes sont assez convergentes là-dessus, de moins en moins bien dans la ville, alors que c'est notre milieu historique. Du coup, il y a besoin de créer ce récit, cette vision du commun. Et le marketing urbain, en créant des marques, hein, les méthodes, je pense que ça va. Mais c'est aussi en Lyon, c'est jamais, ça revient un peu d'anglicisme, beaucoup d'anglicisme quand même, parce que bon, ça fait mieux. Le marketing urbain et les marques urbaines sont là, en fait, pour... le capitalisme urbain, l'accélération des flux, puisque la marchandisation de l'espace, et j'y reviendrai après dans des types de réalisation, de concrétisation sociale et spatiale, segmentation, ségrégation, polarisation, etc. Puisque la ville devient le terrain de jeu, le seul milieu d'accumulation capitalistique, les paysages évoluent rapidement, et on se sent de moins en moins historiquement attaché à ces milieux de vie-là. Notre habité se voit maltraité, et du coup, il faut recréer du sens. Donc la communication sert, en fait, à croiser un récit historique de la ville avec un récit de fiction sur l'évolution du commun. Enfin, c'est à la croisée de ces deux récits, d'ailleurs, que toute identité narrative naît. Là, dans les pouvoirs urbains et les gouvernances urbaines, c'est le terme consacré, je ne fais que le réutiliser, des glissements qui s'opèrent. Et là, notamment, une entrée remarquée des acteurs privés dans la gestion urbaine, au nom de la mise en adéquation et en ordre du territoire avec les exigences d'un nouveau régime, celui de l'accumulation. Ce qui est aussi symptomatique, c'est que les pouvoirs urbains vont, comme ils le faisaient antérieurement à l'époque fordiste, vont de manière mimétique s'organiser à l'identique des firmes. Les usagers deviennent des clients. On démantèle, on sous-traite des tâches alternatives, comme le fait aujourd'hui ou le font les grandes entreprises.
et un recentrage des pouvoirs urbains sur des fonctions de pilotage, avec du coup la question des services publics qui peut être posée. Les villes ont dorénavant, et c'est pour ça qu'elles s'inscrivent dans un régime d'attractivité et de compétition généralisée, misent énormément sur leur capital symbolique, bien plus que sur leur capital industriel. Capital symbolique que l'on retrouve par la culture, par l'architecture, par l'environnement, par le décorum, par l'espace public, etc. Il s'agit d'attirer certains types de populations qui seraient sensibles, on a construit cette sensibilité, qui seraient sensibles à ce type d'environnement, de telle manière à garantir un monopole de rente de situation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de richesse à construire par l'industrie, ou en tout cas on a délocalisé, on l'a mis en dehors de la ville. Dorénavant, la richesse, elle est immobilière, en fait. Voilà. C'est ce que Piketty explique dans son bouquin, on revient à l'idée de la rente. Les villes, la richesse de la ville, c'est la rente immobilière, et pour ça, il faut créer du capital symbolique. Il faut investir dans la pierre, mais pas simplement comme usurier. Il faut investir dans la pierre et valoriser cette pierre-là. Et pour ça, il faut créer un décor urbain qui permet de valoriser, mais aussi en attirant les populations qui sont solvables et qui permettent de valoriser cette pierre qui a nouvellement été réinvestie. Et c'est ainsi qu'on voit l'ancien hôtel de ville devenir un hôtel particulier. Dans ce registre, toutes les villes vont alors se battre pour capter des fonds publics, pour être la capitale européenne de la culture, la ville verte, pour accueillir des compétitions sportives, pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour avoir des musées dédiés aux arts premiers et aux cultures dites vernaculaires. Tout ça, c'est pour redonner du sens. Tout ça, ça crée du capital symbolique. Toutes les villes vont créer des niches dans cette nouvelle division spatiale du travail. Les nouvelles technologies, le bio, l'économie verte. Alors avant, on parlait de la pépinière d'entreprise et d'incubateur, c'est les années 80. Maintenant, on parle, je vous l'ai dit, un cluster, IDEX, LABEX, pôle de compétitivité, etc. Ça trie les activités. Tout le monde n'est pas éligible au cluster. Et enfin, tout cherche à tirer profit de la division spatiale de la consommation différenciée. Et alors, ça vaut particulièrement pour Montpellier, c'est-à-dire qu'on va parler d'économie résidentielle, on va se spécialiser dans certains types d'attractivités pour accueillir tourisme, loisirs, retraités. D'accord ? C'est la culture halieutropique. Et prospérer ou faire prospérer. Tout ça au détriment d'autres formes d'activité. Et c'est dans cette forme unique, structurée autour du capital symbolique et de l'orientation de tous les comportements et de l'organisation à peu près de toutes les conduites, je ne vous fais pas un couplet sur la sécurité dans l'espace public, que les politiques de rayonnement et d'attractivité se généralisent depuis les années 80 par les politiques fiscales, culturelles, du marketing urbain, de l'environnement, etc. etc. Et ça donne, c'était assez prévisible, une uniformisation des évolutions urbaines. Puisque tout le monde n'est plus éligible à la ville, ça revient à dire ça, puisque toutes les activités ne sont pas suffisamment nobles pour produire la ville, devenue métropole, du coup, on a en fait un phénomène de fragmentation qui est commun à toutes les villes qui souhaiteraient ou qui souhaite peser dans le concert de la compétition généralisée intermétropolitaine, un processus de fragmentation continue depuis justement la crise du fordisme. Et en fait, cette fragmentation, elle traduit une polarisation sociale qui en fait revient à dire et à marquer dans l'espace une dualisation de la main-d'œuvre. On a un cœur d'employés intégrés, qualifiés, flexibles, généralement non syndiqués, qui obtiennent plein d'avantages salariaux, financiers, et qui soutiennent la demande de produits hautement différenciés. Et par contre, il y a d'autres, plus nuisibles, faiblement qualifiés, interchangeables, peu rémunérés et massivement précarisés. Cette dualisation de la main-d'œuvre va en fait servir, se spatialiser et fragmenter l'espace. Dans toutes les métropoles, vous retrouvez du coup des phénomènes, lorsqu'on passe du social au spatial, des phénomènes de ségrégation. C'est-à-dire que des quartiers vont s'unifier et surtout vont s'homogénéiser au point d'être étanches de plus en plus les uns aux autres. Et dans toutes les villes métropolitaines, vous trouvez des quartiers forteresses de l'élite urbaine, le centre-ville. C'est une caricature, bien évidemment, quoique les statistiques sont assez éloquentes en la matière.
On trouve, c'est partant du centre vers la périphérie, hein, on prend un gradient, donc les quartiers forteresses de l'élite urbaine, puis après on a des nouveaux quartiers de prédilection de la nouvelle classe moyenne, généralement des quartiers populaires centraux ou infra-centraux, qui sont en voie de gentrification, donc dans le bourgeoisement. Puis après on a des quartiers en voie de ghettoisation, c'est les nouveaux surnuméraires, beaucoup liés aux politiques de la ville, quartiers d'habitat social. Des quartiers résidentiels fermés du péricentre, on a des quartiers périurbains plus lointains des couches moyennes, inférieures et des ouvriers, puis on a maintenant une troisième vague néo-ruraliste de l'exode urbain. En fait, on a, quel que soit le niveau de finesse, quels que soient les cas d'études, on a dorénavant une partition claire, sociale, dans l'espace. Et donc, des quartiers homogènes socialement sont amenés non plus à coexister, mais simplement à cohabiter. On a une fragmentation sociale et une ségrégation spatiale, et là-dedans, indéniablement, cette ségrégation, le passage du social au spatial, a une cause première, c'est l'afflux massif de capitaux vers le secteur immobilier. Donc, les villes, métropoles, ne sont pas différentes de la ville historique simplement pour leur taille, contrairement à quelques définitions de la métropole par rapport à la ville. Ne sont pas simplement différentes de la ville, considérant que la métropole serait en fait une centralité, une périphérie qui serait mise en commun par différents réseaux et formant une entité. Ça, c'est une autre définition d'un dictionnaire de l'aménagement et de l'urbanisme. En fait, il n'y a toujours pas véritablement de pensée critique. On a aussi la ville-centre ou la ville-mère autour de laquelle s'organisent des villes ou des territoires satellites. Ça, c'est une autre définition de la métropole. En fait, dans la métropole apparaît comme non plus seulement un lieu ou encore une échelle, mais dorénavant le milieu, le foyer de l'accumulation capitalistique et de sa mondialisation. Ce sont les points d'appui. Auparavant, c'était les États-nations souverains qui produisaient par une culture industrielle. Dorénavant, ce sont les villes métropolitaines qui, par le capital symbolique, s'inscrivent dans une compétition généralisée. Alors ça donne concrètement le départ de population des quartiers populaires, centraux, par requalification urbaine. On peut parler de Figueroa, si vous voulez. Ça donne la création de quartiers ex nihilo, sans espace de rencontre ou de partage, dont l'usage de la voiture est quasi obligatoire. On peut parler de Malbos ou du Jardin de l'Aviron, si vous voulez. Avec, bien évidemment, en pied d'immeuble, des grandes enseignes, des galeries d'expo, des agences immobilières à foison. Je vais parler de Port Marianne. Ça donne une privatisation de pans entiers du patrimoine immobilier. Donc, je vous parlais de l'ancien hôtel de ville, hein, un hôtel de luxe, à la Canourgue. L'artificialisation du patrimoine naturel, Montcalm. Fermeture de ruelles, traverses, quartier Gambetta, le programme Grand Air. Ça donne un développement d'un type quasi unique de commerce, Carrefour Market, Carrefour City, et multiplication des centres commerciaux. Des centres commerciaux, on peut évoquer Odysseum, avec des panneaux publicitaires qui colonisent allègrement les paysages, sans parler bien sûr des espaces publics dans lesquels les usages sont de plus en plus. Des usages sont de plus en plus interdits, arrêtés anti-mendicité et autres choses de réjouissance, au profit de la seule consommation et de places toujours plus esthétiques, aseptisées et bien évidemment vidéos surveillées. Les rues doivent être larges, la verdure fort exotique, les bâtiments un peu prétentieux, un peu audacieux. On a en fait le milieu dont je vous parlais. Une esthétique du capitalisme urbain. Et ça, c'est véritablement la métropole sur les 30 ou 40 dernières années. C'est ce qui singularise le plus. On est passé d'une ville productive à une ville marchande par cette standardisation de l'esthétique urbaine. C'est un tableau un peu noir, mais c'est ce qui est constaté à Milan, à Berlin, à Barcelone, à Sheffield, enfin bon, à Lyon. On a cette évolution-là tendancielle. Ça se fait à un grand détriment, je l'ai déjà annoncé, et ça prend deux chemins particuliers. Ça se fait à un grand détriment, je l'ai déjà annoncé, c'est la ville comme milieu de vie, comme pratique ordinaire, comme culture populaire. C'est-à-dire un habité, ce que nous avons tous construit historiquement, lieu d'attache, d'appartenance, d'appropriation des lieux, etc. On essaye d'organiser les conduites dans l'espace et les modes d'appropriation du lieu par une consumérisation, une marchandisation,
et plus largement par des conduites qui sont nouvellement organisées par l'esthétique qui nous est donnée et le type d'activité orientée qui nous est proposée. Et en fait, ça prend deux chemins. Je reviens aux politiques urbaines parce qu'elles sont essentielles là-dedans. Vu que le débat, il est centré sur la métropole, faut-il un étage supplémentaire, quel pouvoir donner, quel transfert de compétences, quel type d'élection, etc. Ça prend deux chemins particulièrement. Le premier chemin, c'est un déni démocratique. La métropole ne fait pas l'objet de débats aujourd'hui citoyens sur, ben justement, la ville comme habitée, son évolution, les types d'activités qui sont proposées, les formes commerciales qui nous sont livrées, etc., etc. Si ce n'est à l'échelle d'un quartier pour un micro-projet à l'occasion de deux réunions publiques, et encore si vous avez été entendu, je vous tire mon chapeau. Mais globalement, on a une démocratie d'élevage, débat public, concertation officielle, mais globalement qui ne permet pas de saisir ce qui se joue par la métropolisation, une orientation générale d'un habité qui est censé être le nôtre, la ville. D'où la question historique de la citoyenneté urbaine est en train de décliner, la démocratie urbaine est en train de décliner au profit d'une démocratie participative qui est très organisée, très orientée et qui nous met sur des petits je ne sais quoi ou sur des objets thématiques ou sectoriels ou des politiques qui ne permettent pas d'embrasser l'ensemble du devenir urbain et des types d'orientation ou d'horizons qui nous sont proposés. Donc, autour de la démocratie urbaine, ça c'est un des premiers chemins qui était déjà naissant après les luttes urbaines à la fin des années 60 et début des années 70 et qui n'a cessé de se développer sur les 15 ou 20 dernières années. Et puis une deuxième voie, non moins essentielle, qui est peut-être encore plus fondamentale lorsque on a changé de ressources capitalistiques, que la ville est devenue le dernier milieu d'accumulation, mais du capital symbolique, pour justement faire face aux risques du capital fictif que sont les actions, les obligations, les assurances, la dette publique, etc. Il vaut mieux réinvestir dans la pierre, c'est un peu plus sûr, mais à condition d'orienter par le symbole la valorisation de cet investissement. C'est la colonisation de nos imaginaires de la ville. C'est-à-dire, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, en termes de marketing urbain, de communication officielle, on a une orientation, une standardisation de nos imaginaires sur la ville. Et ça, c'est ce qui signe le détachement, alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est en fait une dialectique, mais le détachement de nos territoires d'appartenance et de l'habité qui fait la ville. On va néanmoins essayer d'adapter le récit à l'identité du lieu. On va tenir compte de son histoire, etc., etc. Mais globalement, on a des imaginaires qui sont totalement communs à toutes les évolutions métropolitaines. On utilise les mêmes symboles, les mêmes rhétoriques, les mêmes discours pour rendre inéluctable une évolution économique des villes qui n'est pas discutée ou qui n'est pas mise en débat. Et ça, c'est aussi un invariant des métropoles que de considérer, les pouvoirs, en tout cas, métropolitains, investissent particulièrement le champ de la communication. Il n'y a plus de débat sur la ville et que cette communication-là va s'appuyer sur certains types de savoir et d'expertise pour pouvoir se développer et se déployer. Et c'est là où on va retrouver des logiques d'agence dans la construction de savoir et d'expertise. On a des architectes totalement standardisée, on a des architectes, j'ai rien personnellement contre eux, qui sont starifiés, on a des urbanistes qui sont dans des équipes pluridisciplinaires, mais qui travaillent directement dans des logiques d'agence pour ces pouvoirs urbains-là. En fait, le déni démocratique, il est d'abord dans la non-reconnaissance d'une intelligence, ou de plusieurs intelligences, que sont les intelligences de ceux qui vivent la ville. La communication, sa standardisation, la colonisation de nos imaginaires, c'est surtout un discours qui, en utilisant certains types de savoirs, certains types de figures, de formes, de couleurs, si vous regardez par exemple la communication de l'agglo, de la mairie, vous verrez qu'il n'y a aucun troupeau, il n'y a jamais des gens en groupe par exemple. Ça ne faut pas dans la ville, ça peut être dangereux. C'est toujours des personnes isolées, d'accord ? On a toujours la caution ethnique, quelque part, plutôt un black, pas un beurre, ça pourrait faire tâche. On a comme ça toute une codification de notre imaginaire, on a comme ça toute une construction rhétorique de ce qui est acceptable ou moins acceptable. Et là, derrière cette chose-là, c'est pas simplement le fait des communicants, qui seraient à la solde de politique, ils travaillent, ils sont payés,
choix, et force duale, c'est leur conviction. On a tout un arrière-plan intellectuel des savoirs autorisés, de l'expertise patentée, architecturale, urbanistique, des sociologues qui peuvent prêter main forte à un moment donné. Bref, on a tout un, comment dire, tout un discours qui est post-démocratique, en fait, voilà. Qui est autoritaire, et qui se fait au détriment de la démocratie directe dont on a parlé, la citoyenneté urbaine qui a été canalisée, mais surtout, plus que cette citoyenneté, c'est ne plus reconnaître le citoyen dans son intelligence minimale. L'usager d'espace public dans la compétence qu'il a de pratiquer la ville au quotidien. C'est ça qui fonde en fait fondamentalement l'habité. C'est-à-dire, pas simplement vivre, se loger, résider en ville, c'est en avoir une expérience. Les imaginaires qui nous sont proposés et imposés dénient à l'urbain, que nous sommes aux citadins, de pouvoir exprimer cette expérience-là et de pouvoir la discuter, la partager pour participer à un débat sur un devenir urbain ou sur d'autres raisons de la ville qui ne seraient pas celles de l'économie du capital symbolique, de la marchandisation de l'espace ou de la symbolisation des villes. Du coup, cette question des savoirs et cette question du génie démocratique pose plusieurs questions. Le déni démocratique ne date pas d'hier, il s'est accéléré avec la métropole. La question de l'organisation des conduites dans l'espace, ça s'est aussi amplifié avec la métropole, mais le fait de construire une ville, c'est déjà organisé la manière dont on va l'appréhender, la pratiquer, etc. Dans ce qui est plus troublant, c'est la question environnementale. C'est-à-dire que les métropoles, un des faits remarqués, c'est le décorum environnemental dont je parlais, les espaces verts, le modèle Central Park. Le modèle Central Park est un modèle imaginaire qui est véhiculé par tous les grands architectes qui interviennent dans les équipes projets, dans le cadre de concours internationaux lancés par, par les pouvoirs métropolitains, etc. Dans ce qui est troublant, c'est que la question environnementale, particulièrement en France, n'arrive pas à éventuellement, d'autres formes de culture environnementale n'arrivent pas à s'opposer à cette mécanique-là, à ce processus-là. Les résistances que j'ai commencé à évoquer en introduction sont d'abord des résistances hors la ville et qui ont toutes, d'une manière ou d'une autre, l'environnement comme objet de résistance ou de lutte. Mais pas l'environnement, l'espace vert qu'il faudrait défendre, etc. Non, notre rapport à la Terre, l'habité dont il s'agit. Comment vivre autrement, comment se nourrir autrement, comment régler autrement nos rythmes de vie, comment reconstruire une qualité de vie. Il y a toujours le terme de vie, hein, derrière ça. Et ce qui est troublant, c'est que il y a vraiment une étanchéification, des frontières à la ville qui font que d'autres cultures environnementales, d'autres manières d'appréhender ce dont l'environnement est le nom, c'est-à-dire une extension du domaine de la vie. Derrière l'environnement, ce qui se joue, c'est d'autres manières d'être et d'habiter un lieu, un territoire. D'autres manières d'envisager le futur du commun, puisque les crises écologiques, le mur climatique vis-à-vis duquel nous allons en plaçonnant, fait qu'il nous faut nous réinterroger sur nos modes de vie, nos besoins, nos ressources, etc. Cette question environnementale, en France particulièrement, n'arrive pas à construire de manière générique, en tout cas, à émerger véritablement dans le débat pour envisager des alternatives à cette métropole qui est majoritairement une ville entrepreneuriale. Alors que c'est le cas dans d'autres pays, et notamment en Angleterre, avec les villes en transition, notamment en Italie du Nord. Fondamentalement, même s'il y a des luttes internes à la ville ou externes à la ville, elles sont isolées, émergentes ou réémergentes, mais ne font pas système réseau ou se coalisent pas pour proposer une alternative à cette évolution métropolitaine. Voilà peut-être ce qu'est, en tout cas c'est partagé par beaucoup d'auteurs étrangers, l'arrière-plan politique de la métropolisation. Une conversion généralisée à un nouveau régime d'accumulation économique. Voilà ce, je crois, ce dont on ne parle jamais en termes de débat public
sur l'évolution des villes, concrètement les paysages du quotidien, les espaces publics, l'offre de culture, les types de rapports entre les gens, etc. etc. Et c'est pas le mot d'ordre de la mixité qui va recréer du lien social, si c'était le cas, ça se saurait. Il n'y a pas de nouvelle forme de solidarité, d'entraide, de partage, par exemple. Ça, ça a été mis de côté, ou en tout cas on en parle moins. On a donc une évolution assez fondamentale. Il me semblait intéressant de pouvoir vous exposer quel serait cet arrière-plan-là qui renvoie un pas de temps qui est un peu plus long que simplement l'agitation parlementaire sur un acte 3 ou un acte 4 de la décentralisation. Je vous remercie.